Ça y est, on est à Canet, premier jour de stage d'équipe de France. Et je vais aller faire ma programmation de stage avec Quentin. On est les premiers arrivés parce qu'il y a eu des problèmes d'oiseaux dans les réacteurs de certains autres nageurs, des problèmes sur les lignes, sur les TGV, sur les trains. Premier jour, on est dimanche. On va profiter un peu des petits trucs qui sont offerts. Et je vais aller faire mon petit programme avec Quentin. Ça y est, on est avec le coach Quentin et la petite pomme offerte par le Malibu Village à Canet. Et on va se faire le plan de l'affûtage qui est quand même la meilleure partie de la saison. Hein, on va se faire des petits 1000 mètres. Des petits entraînements de 1000 mètres. Des petits entraînements de 1000 mètres au soleil. Et de 800 mètres. Et on regarde évidemment la finale de Roland Garros. Nadal Roud. Avec Gaël Monfils. Sans Gaël, mon fils. Et c'est parti. Au boulot. Au boulot, Quentin. Au boulot. C'est parti. Au boulot, Florent. Bon, je vais vous montrer l'équipement France parce qu'on l'a reçu. On l'a reçu en arrivant ici à Canet. Alors j'en ai eu pas mal dans ma vie des équipements France, mais c'est la première fois que j'ai un équipement France le coq sportif, parce qu'on a changé, la fédération a changé d'équipement au moins pour les vêtements. Voilà, je vais déballer mon premier équipement le coq. C'était un peu excitant pour moi de voir tout ça encore, même si j'ai quelques années d'équipe de France derrière moi, donc je vous emmène avec moi et on va voir ça. On est parti pour la coupe de cheveux. Bye Jojo. Ouh là là là. On va faire très court. Hein. C'est l'été, il fait chaud. On est parti pour la muscu, première muscu qu'il y en ait. Je vais faire avec toi. Tu vas faire avec moi? Le coach va faire la muscu avec moi. Les mêmes poids. C'est parti. 60 kilos. 20, 40, 12, 32 et 8. Non, c'est 80. En fait. Allez, Flo. Comment ça se passe le point presse, les amis? Génial, mais vous êtes un peu trop long. On est en retard à cause de vous. Non, c'est les à cause. Stars, les stars. Ouais. C'est à cause de Nico. On est trop de temps. Toi, ça se passe bien? Ça se passe bien. Est-ce que tu vas arriver à faire ça? Vas-y, tourne. Attends. Voilà. Ça se passe super bien. On a déjà un quart d'heure de retard. Ouais, voilà, nouvelle petite coupe de cheveux, genre là. Bah ouais. Ouais. Parce que je suis frais comme ça. Okay. C'est pour l'hydrodynamisme. Ouais. Inside. Avec Nico qui gère tout depuis des années. On a Mel. Merci beaucoup. Merci. Avec le journaliste le plus connu de France. France, oui. Alors qu'il, vous êtes... en, alors qu'il habite en Belgique quand même. Ouais. Et la oui. La tournée. C'est bien ça, Monsieur Boyon? Oui, effectivement. Merci. Je connais le central à tourner. Moi aussi. Monsieur Manoudou. Je connais très bien. Je connais très bien. Ça va, Mel? C'était bien? Impeccable. Il n'est pas trop méchant, Alexandre Boyon? Non, il s'est rappelé le passé. Ouais. Puis il y en a du passé pour toi. Hein. Oh putain. Hein? Un peu, hein? Il y en a beaucoup trop. Ouais. Hein. Ça va, Mel? Nickel. Pourquoi en fond vert derrière toi? Parce que tu sais, le fond. La course à Glasgow, peut-être. S'ils sont bons, ils vont faire ça, on regardera. Ouais, bah vous nous filmez tout le temps, du coup moi je vous filme aussi.
Quels sont les objectifs pour les mondiaux? La faire bosser elle pendant tous les mondiaux. Et c'est dur ça? Propager. Trouver des bons restos à Budapest. Mais ça, je te les donnerai, je te les adresses. Donc là, les gars, on va voir si l'équipe de France, si les nageurs de l'équipe de France font bien leur... Les nageurs de l'équipe de France font bien leur récup. Il y a un bain chaud et il y a des bains froids. On va voir le nombre de nageurs qui est dans le bain chaud et le nombre de nageurs qui est dans le bain froid. À tous. Bain froid, personne. Ça va, le bain froid, il est pas trop dur? Il est bien froid, il est bien. Ben écoute, ça se passe très bien, le stage est parfait, bronzé et tout. Grosse puissance dans l'eau. Bonne quand même. Voilà, on analyse mon petit 25 papes. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est solide? Très solide. Hein? Ah, quand on est derrière la caméra, quand on se met devant, d'un coup, c'est plus pareil. Hein, hein? Qu'est-ce qu'il en pense, le coach? Je pense que c'est vraiment bien. C'est bien? Belle séance, belle semaine? Très belle semaine. Demain, il y a quoi? Je sais plus, je m'en rappelle plus. Field de week demain? 2 km? Field de week. Field de week, on fait ce qu'on veut? 2 ou 3? 2. Comment ça, 3? Ah. 3 km, ça n'existe plus maintenant. C'est vrai. On a dépassé ce mode-là depuis longtemps. 2 km, feel the week, feel the sun. Et on va se la régaler demain. Feel to be happy. J'espère qu'il va faire beau. Il va faire un ou deux plongeons demain. Ouais. Bon, je vous ai pas trop parlé de ça, mais en équipe de France, quand on est en stage terminal comme ça, on essaye de pas faire grand chose en dehors, ou en tout cas de faire des activités qui nous prennent pas trop d'énergie. Comme ça, on a de l'énergie pour les grandes compétitions, donc les championnats du monde cette année. Donc on fait des jeux. Là, on a par exemple le loup. C'est un jeu que j'ai découvert il y a quelques années, avec le handball d'ailleurs, avec le handball de Aix. Et je crois qu'on joue beaucoup à ça. On joue aussi un petit peu au Uno. J'essaierai de vous faire partager un peu des moments comme ça. Et on a aussi les petits moments d'intégration avec les nouveaux. Donc voilà, on va avoir ça vendredi, samedi, dimanche. Je ne sais pas encore si je vais filmer ça, parce que ça va les rendre un petit peu plus timides. Mais voilà, je vous fais partager un peu l'inside, et pour vous dire que les activités, c'est plutôt des activités calmes. Même si on a bateau dimanche, le staff nous a mis ça à dispo sur un catamaran à Canet. Donc voilà, on va se régaler, on va pouvoir bronzer un peu plus. Bon, je suis déjà bien noir, moi, parce que je nage en extérieur. Mais voilà, je vous fais découvrir un peu l'inside en dehors des entraînements aussi. Sortie bateau dimanche organisée par la Fédé. Au petit catamaran. Avec devant les filets. Les jeunes là-bas qui ont décidé de s'habiller bizarrement. Ça passe. Ça va, Flo? Ça va, petite sortie bateau avec l'équipe, avec les jeunes là-bas. Ils ont voulu s'habiller pour l'occasion. Apparemment, c'était le cowboy. On est bien, on a des chapeaux. Bon, petite réunion entre capitaines, voilà. Dans la petite après-midi bateau, on fait le point pour savoir ce qu'on va dire au speech, tout ça. J'espère qu'on va être bon. Hein, Mel, on va être bon? On va être bon. Surtout toi. Moi, je m'occupe des jeunes et toi, tu t'occupes des speeches. Comment c'était le stage, les gars? Excellent. Le super appart. Dames, on a nagé ensemble. Un capitaine au top. Comment s'entraîner sur 400. Voilà, tu fais des 5 bornes et tout.
partager ces séances ensemble. Merci Flo. Il a dit pas mal. Pas mal en fait. Chacha, comment c'était le stage? Ça va, c'était bien. Ouais. T'as bien nagé avec Philippe? Ouais, top. Hâte d'arriver à Budapest. Combien de kilomètres t'as fait? Je sais pas compter. Cette semaine à peu près. Faut pas compter. Plus ou moins que Dams? Non, un peu moins. Ça y est, fin de stage. Comment c'était, coach, ce stage? C'était génial. Ouais. Ouais, merci le club de Canet, merci Malibu. On était bien. On a passé un bon moment, on a fait un bon boulot. On est quand même content de partir, non? On est content de partir, ouais. Mais good job Flo, good job l'équipe. On est bien bronzé encore. Ouais. On va arriver tout frais pour le championnat du monde. Je sais pas si on va être bon, mais en tout cas on va être beau et ça c'est le plus important. On va être bon. Inch'Allah. On se retrouve au championnat du monde là tout de suite. Thank you.